So Good Media. Donc je suis ce soir en compagnie de Marie de Secret Story. Bonsoir Marie. Bonsoir Marjolaine. Alors Marie est avec nous ce soir pour une soirée spéciale caritative pour les enfants de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis et pour soutenir l'association Azalia. Donc Marie, qu'est-ce qui s'est passé ce soir et qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis très honorée d'être ici parce que déjà il faut le rappeler, je suis infirmière. Donc pour moi, pouvoir être présente dans ce genre d'événement, c'est quand même très 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 important. Pouvoir apporter ce petit soutien en plus aux personnes qui vont mal et notamment aux enfants, c'est quand même quelque chose d'énorme parce que mon métier, je ne l'ai jamais laissé tomber. J'ai toujours continué à exercer. Et c'est vrai que pouvoir apporter, oui, un petit peu de joie, pouvoir faire partager mon expérience et voir un petit peu d'étincelle dans les yeux des enfants, bah, c'est juste exceptionnel pour moi. C'est pour ça que je suis présente et j'espère pouvoir être présente sur d'autres événements de ce type. Et voilà, franchement, je remercie l'association d'avoir fait appel à moi parce que ça me touche énormément. Et j'espère effectivement que les enfants seront très heureux de tout ce qu'on aura pu leur apporter ce soir. Et quand on va leur apporter les cadeaux, tout simplement. On va parler un petit peu plus de toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi? On t'a vu dans cette story il y a un moment, dans les anges, dans le film de la télé-réalité. On te voit un petit peu partout. Et maintenant, il est pour 2014. Qu'est-ce qui va arriver pour toi? Il y a beaucoup de choses qui se passent en 2014 pour moi. Donc, notamment, il y a un livre qui est en train de se finir là. Il devrait sortir en début d'année. Donc c'est une sorte d'autobiographie, j'en dis pas plus, ça va être très intéressant je pense. Alors je vous amène tous à le lire parce que vraiment c'est je partage à l'intérieur des expériences plutôt fortes. Voilà, donc il y a déjà en premier lieu ce livre qui est très important pour moi. Ensuite, je viens de rejoindre une écurie moto en fait, qui est en partenariat avec une association elle aussi venant en aide à des personnes atteintes de la mucoviscidose. C'est quand même très important. Donc j'allie vraiment le sport et la santé, toujours vraiment pour rester dans mon métier, dans ce que j'aime par-dessus tout, à savoir aider les gens. Il y a également une marque de vêtements pour laquelle je suis devenue Légélie. À la base, c'est un ami à moi qui a créé sa marque sur Miami. C'est un Français, un jeune Français. C'est un ami de très longue date, en fait, d'enfance. Et il m'avait toujours dit qu'il avait cette envie de créer une marque. Et c'est vrai que moi, de mon côté, je lui avais toujours dit, écoute, je serai là. Donc n'hésite pas. Et c'est vrai qu'avec la notoriété que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui, on se rend pas mal de services, on va dire. Très bien, donc beaucoup d'actualités, justement, où est-ce qu'on peut suivre tout ça? Donc j'ai un Facebook et un Twitter. Marie Garé, fan official sur Facebook, sur Twitter, ma page c'est M Garé Official. D'accord, bon, on va pouvoir suivre Marie partout, sur Twitter, Facebook. On a l'applause du manager pour Marie, c'est pas trompé. Non, et c'est bien moi qui gère ces pages, qu'on soit bel et bien d'accord, parce que c'est vrai que les gens ont toujours tendance à croire soit que c'est des fakes, soit que c'est mon agence de prod qui gère à ma place. Et effectivement, j'essaye de répondre comme je peux, c'est pas toujours évident, parce que j'ai pas énormément de temps, je suis très prise, mais voilà, c'est bel et bien moi, et je suis très touchée par tous les messages que j'ai tous les jours. Voilà. C'est vrai que t'es beaucoup très disponible pour aller suivre et tes fans, et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à gérer ça. Et ça, c'est vraiment une qualité que je t'attribue, donc je voulais vraiment t'expliquer pour ça. Ben merci, mais bon, faut pas oublier non plus que il y a pas mal de personnes qui ont voté pour moi, qui m'ont aidé à gagner une émission pas mal regardée, donc ça je peux pas l'oublier, les gens ont été là pour moi. Moi je suis là dans mon métier également pour beaucoup de personnes et voilà, c'est la moindre des choses d'être présente et de rester soi-même. Moi j'ai toujours été présente pour les autres et je le resterai, et quand on m'apporte de l'amour encore plus. Ben, merci beaucoup Marie Garé et puis à très bientôt pour tout ce que tu nous as promis, le livre, l'égérie d'une marque et toutes ces choses-là. Merci encore et bonne soirée, à bientôt Marie. Ben, merci à vous pour tout ce temps que vous avez consacré et bonne fin de soirée. Merci Marie.